Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission littéraire « Mots d'ici et d'ailleurs ». Une émission proposée et préparée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec la RTD. Dans cette édition spéciale, nous tenterons de faire le bilan de la semaine nationale dédiée à la lecture. Une semaine d'effervescence culturelle et éducative. Une semaine marquée par une multitude d'activités passionnantes. Une semaine festive durant laquelle la lecture est abordée autrement dans les établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau les acteurs de terrain de l'éducation nationale que sont M. Abdallah Hanfari Hassan, inspecteur de l'éducation nationale, Mme Fatouma Mohamed Mir, directrice de l'école de Balbala 7, Mme Roua Ibrahim Ali, principal du collège Charles Foucault, et enfin, docteur Moussa Souleyman Opsier, enseignant-chercheur, maître de conférences en littérature générale et comparée à l'Université de Djibouti. Docteur Moussa est également écrivain. Il compte à son actif deux romans. Le premier, qui a pour titre « Les transhumants de Saharla », publié en 2018 chez l'Harmattan. Le second, « Émigrés contre vents et marées », publié en 2021, toujours chez l'Harmattan. Docteur Souleyman, il a été président et membre fondateur de l'association Allo Aska, une association versée dans la promotion de la lecture. Actuellement, il est président de l'Union nationale des écrivains djiboutiens. Chers invités, bienvenue dans l'émission et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de rentrer dans le vif de l'émission, j'aimerais poser une question à vous tous. Le MENFOP vient de clôturer une semaine durant laquelle la lecture a été célébrée sur un mode festif et ludique. Quelles sont vos impressions personnelles sur les activités proposées durant cette semaine? M. Abdallah Hanfari. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. La semaine nationale de la lecture s'est déroulée dans des conditions importantes, intéressantes, et nous avons pu assister à l'expression chez nos élèves de potentiel et de talent. Merci Abdallah. Moussa Souleyman. Oui, merci Mohamed. En fait, je crois que durant cette semaine, on a pu, en tant qu'écrivain, visiter les différents établissements scolaire de la capitale, que ce soit de l'enseignement de base, de l'enseignement fondamental ou même des lycées. Et je crois que nos impressions sont vraiment fortes parce qu'on est vraiment en contact avec des enfants de bas âge et on est un peu ému de se retrouver dans ces établissements qui sont pour nous en quelque sorte le lieu du savoir, c'est-à-dire un lieu sacré. Fatouma Mir. Salam alaikum. Merci de me donner la parole. Nous avons vécu la semaine de la lecture, la fête de la lecture. C'était la semaine du 17 au 21. Nous, dans les établissements, ces activités où cette semaine s'est déroulée de manière agréable, c'était une semaine festive où tous les enfants ont pu échanger, des concours ont pu être organisés inter-établissements, les élèves ont pu échanger et critiquer. Là, on a senti une valorisation importante de la lecture. Et surtout, l'esprit compétitif et de fête a été présent dans tous les établissements de la République de Djibouti. C'est la quatrième édition et je peux vous dire que chaque année, les élèves sont impatients d'arriver à cette date-là pour pouvoir partager, échanger. Comme il a dit Dr Souleyman, nous avons eu la visite d'écrivains, nous avons eu la visite de journalistes, quelque chose de novice dans les établissements. C'était agréable et on se dit à l'année prochaine. Merci, Madame Fatouma Mir. Roua. On a découvert que vraiment chez les élèves, il y a un très fort potentiel et nous étions très émus de toutes les activités qu'ils ont faites. Vraiment, c'était une semaine d'échange, de culture et c'était une porte qui était ouverte pour l'avenir pour les élèves d'améliorer et d'aller plus loin peut-être dans la lecture et devenir peut-être comme monsieur le docteur de futurs des écrivains ou de futurs conteurs de la République de Djibouti. Très bien, merci chers invités. Alors ma première question s'adresse à madame Fatouma Mir, directrice
de l'école de Balbala 7. C'est vrai que dans cette émission, nous allons parler de la semaine nationale dédiée à la fête de la lecture, mais également d'une manière générale, nous allons parler des activités organisées par les uns et les autres dans les établissements scolaires pour promouvoir la lecture. Alors, ma première question est la suivante. Madame Fatouma, quel événement ou activité organisez-vous régulièrement pour promouvoir la lecture au sein de votre établissement? D'abord, je suis vraiment honorée d'être invitée autour de cette table pour parler et participer à une thématique qui m'est familière, la lecture. Qu'est-ce que la lecture? La lecture est déjà une compétence de base et qui est aussi un passage obligé pour la réussite de tout apprentissage. Dans les écoles, effectivement, nous avons toujours prôné la promotion de la lecture. Et la promotion de la lecture est le cheval de bataille du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre en a fait un défi parce qu'il nous a toujours appuyé quand il s'agissait de promouvoir la lecture dans les écoles. Pour cela, des politiques ont été mises en place pour promouvoir la lecture dans les écoles, dans l'enseignement de base surtout. Je vous donne quelques exemples, hein, la mise en place des bibliothèques fonctionnelles dans les écoles de base, chose qui était très rare auparavant. On trouvait des bibliothèques dans les secondaires ou les collèges. Et il y a quelques années, le ministère a vraiment appuyé la mise en place des coins lecture dans les écoles. Et tout ça, c'était dans le but de promouvoir la lecture, de vulgariser les livres et de le disponibiliser au plus près de l'élève. Alors, les activités que nous faisons dans l'école sont diverses, hein. Déjà, on essaie à tout moment de créer le lien entre élèves et le livre. On essaie de mettre en place des chronos ou des séances de lecture quotidienne, lecture oralisée dans les classes. On cherche par tous les moyens à faire aimer le livre à l'enfant. On cherche à lui laisser l'accès libre à la bibliothèque, l'accès libre au toucher et à l'utilisation du livre. Dans les classes, parfois, on effectue des concours internes entre élèves pour promouvoir la lecture. Par exemple, on prime l'élève qui a lu le plus de livres. Il y a la mise en place de ce qu'on appelle le carnet du lecteur dans les classes. C'est un document qui fait que l'élève doit, tout au long de l'année, relever les différentes œuvres qu'il a lues, leur illustration, les titres, les nombres de pages. Et tout ça lui permettra d'avoir à la fin de l'année un pactole et de savoir ce qu'il a acquis ou ce qu'il a lu durant l'année. On met en place les grands concours scolaires qui incluent aussi les activités de défi lecture, qui sont des activités qui sont primées par le ministère de l'Éducation nationale. Et moi, particulièrement dans mon école, j'ai une bibliothèque qui est fonctionnelle et elle nous permet de faire des activités autour du livre tous les samedis, avec l'aide d'une écrivaine qui est au ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence Mme Choukri Ousmane, qui a bien voulu nous donner de son temps pour venir dans mon école et lire des récits et des contes aux élèves volontaires tous les samedis. Et le but final de ce projet-là est de parvenir à faire écrire aux élèves un conte ou un recueil de contes. Et c'est un projet qui dure depuis déjà 2 ans et ça fait partie des activités qu'on met en place pour promouvoir la lecture. Très bien. En tout cas, ce sont des activités qui visent à réduire la distance entre les élèves et le livre. À présent, je me tourne vers M. Abdallah, inspecteur de l'Éducation nationale. M. Abdallah, la lecture est une compétence essentielle à la réussite des élèves. À cet égard, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle multiplie les initiatives pour pousser les élèves à lire en classe, mais également en dehors de l'école. Quels sont les résultats ou les comportements que vous avez pu observer chez les élèves depuis que la fête de la lecture fait partie intégrante du paysage éducatif? Mais permettez-moi d'abord, Mohamed, un peu de soulever la pertinence de cette question, puisque à l'Éducation nationale, nous avons l'habitude d'avoir une gestion axée sur les résultats. Et nous avons des outils de planification stratégique de long terme, de moyen terme, et toute initiative qui est prise au niveau du ministère sont greffées à ces outils de planification qui sont axés sur la recherche de la qualité
et l'institution de cette fête de la lecture au niveau national, d'ailleurs participe de cette volonté de rechercher la qualité dans les apprentissages. Donc le résultat que nous pouvons voir au niveau de cette semaine nationale de la lecture sont peut-être de deux catégories. Une première catégorie, c'est des résultats qui sont immédiats aux différentes activités que nous avons l'habitude d'organiser. Nous avons comme premier type de résultats immédiats le fait que ces activités permettent aux élèves de restructurer les connaissances qu'ils ont acquises tout au long de l'année. C'est un moyen tout simplement de revenir sur ce qu'ils ont appris pendant l'année. Et puis, comme toute intervention pour autrui est une occasion pour l'élève, parce qu'il fait des présentations tout au long de l'année sur l'auteur, sur l'époque de l'œuvre. Donc, ça lui permet un peu de restructurer tout ce qu'il a appris. Le deuxième type de résultat immédiat que l'on peut percevoir à travers ces activités de la fête de la lecture, ce sont des résultats également liés au fait que l'enfant réinvestit les acquis dans des situations de communication. Je pourrais citer cet exemple d'élève qui, à l'école d'excellence d'ailleurs, a fait un travail remarquable sur la première page de l'œuvre de son excellence, l'ambassadeur Araïta. Donc on voyait déjà que cet élève avait un talent de critique littéraire et ça c'est un réinvestissement des choses qu'elle a pu apprendre tout au long de l'année à travers les activités scolaires, réinvestie dans des situations de communication vraiment concrètes. Et puis enfin on peut aussi parler des résultats qui sont des résultats impact sur le comportement de lecteur de nos jeunes élèves. Donc on peut parler de l'intérêt pour la lecture, mais d'une façon générale on peut, puisque c'est l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre d'écrivains, c'est aussi l'occasion peut-être de se réaliser à travers ces rencontres et les résultats sont variés. Très bien, merci Abdallah. À présent, je me tourne vers Madame Roua, qui est principale au collège de Charles Foucault. Alors, Madame Roua, quels sont les efforts entrepris au niveau de votre établissement pour promouvoir la lecture auprès des élèves? Bien, promouvoir la lecture a été toujours une base essentielle dans notre système éducatif pour le ministère de l'Éducation nationale et professionnelle. Donc, personnellement, dans mon établissement, comme on a une bibliothèque qui est très riche, nous avons instauré dans les DT de chaque classe, chaque niveau, une heure comme cours essentiel pour la bibliothèque. Donc, chaque élève a droit déjà à être dans la bibliothèque où il peut lire un livre, échanger, débattre, poser des questions avec ses camarades de classe ou les bibliothécaires, où il y a un échange vraiment très ouvert sur ça. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi, on a ouvert un petit portail pour notre établissement. On a créé la bibliothèque à l'air libre. C'est-à-dire lors des permanences des élèves, chaque bibliothécaire prend un groupe d'élèves, il y a des bancs sous les arbres, il se met sous les arbres, ils prennent des livres, ils lisent, ils passent un moment vraiment agréable à poser des questions, à soulever tous les problèmes qu'il y a dans les livres, à échanger, à savoir tout, yani, sur tout ce qui est besoin pour la lecture. Mais spécialement pour la semaine de la lecture, là, on a vraiment choisi un groupe d'élèves qui ont passé une semaine vraiment très riche, très agréable, avec bien sûr un prof encadreur qui a vraiment formé, encadré ces élèves-là pour la semaine de la lecture, où le fils du maître. Ce livre-là a touché vraiment nos élèves. Ça parle d'un enfant de Jupucien qui a été touché par une maladie vraiment génétique qui l'a rendu handicapé. Donc, ils étaient vraiment très sensibles sur ce sujet. Ils se sont mis à fond et à cœur pour présenter son œuvre et mettre en avant, yani, vraiment mettre cette œuvre-là devant le public lors de la clôture de la semaine de la lecture dans l'hôtel Escale. Alors, maintenant, Monsieur Moussa Souleymane, vous faites partie des écrivains djiboutiens qui accompagnent le ministère de l'Éducation nationale chaque année dans la célébration de la fête de la lecture. Durant une semaine,
vous sillonnez dans les établissements scolaires. Comment se passent vos échanges avec les élèves dans les établissements scolaires? Donc, merci Mohamed. Je tiens tout d'abord à remercier les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour l'organisation de cette fête de la lecture. Et comme ça a été signalé par les chefs d'établissement, en fait, c'est la quatrième édition de la fête de la lecture. Et il faut dire qu'il y a un travail de fond qui est d'abord organisé au départ par les responsables administratifs, que ce soit les chefs d'établissement et autres, et les responsables pédagogiques, que ce soit les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, pour sensibiliser les élèves sur les activités en fait, de cette semaine. Et lorsqu'on arrive vraiment sur le lieu, je crois que tout est balisé et on rencontre effectivement les élèves et on leur propose, bien sûr, on leur parle d'abord de nos ouvrages avec toutes les variétés possibles et imaginables, parce que la plupart maintenant des écrivains djiboutiens, maintenant ce qui est disponible en fait sur le marché ou dans les bibliothèques, c'est des livres sur la dramaturgie, des livres sur les récits, que ce soit le roman ou les nouvelles, des livres sur la poésie. En fait, on a tous les genres qui sont abordés par les auteurs djiboutiens. Et lorsqu'on arrive en fait dans les établissements, en fonction de nos spécialités, on aborde en fait ces genres-là à l'école, dans les établissements, que ce soit les établissements primaires, au collège ou au lycée. Moi, j'ai écrit des romans et j'ai pu discuter avec les élèves de mes romans, notamment « Émigrer contre vents et marées », c'est un ouvrage qui évoque la question cruciale de l'émigration clandestine. Et moi, notre objectif, c'était surtout de proposer aux élèves les risques que représentent, par exemple, ces types d'activités, mais également parce que la plupart d'écrivains ont évoqué aussi des questions des sociétés qui parlent également aux élèves. Donc, en fait, cette fête de la lecture, c'est une occasion pour nos élèves de découvrir les auteurs djiboutiens, de découvrir leurs écrits, même si ces dernières années, de plus en plus des écrits des auteurs djiboutiens sont intégrés dans les programmes étudiés en classe. Mais c'est une occasion pour les élèves de discuter de vive voix avec les auteurs djiboutiens. Monsieur Abdallah, tout à l'heure, vous avez évoqué l'importance de la lecture dans les enseignements-apprentissage. Maintenant, je voudrais savoir quelles sont les stratégies ou initiatives que vous mettez en place pour renforcer l'engagement de la communauté éducative dans la lecture et par conséquent promouvoir une culture dynamique au sein des établissements scolaires. Effectivement, la culture du texte, du livre, doit être en partage avec toute la communauté éducative. Et je pense que l'institution de la fête de la lecture participe de cette volonté d'impliquer non seulement toute la communauté éducative, mais de façon générale tous les acteurs du livre, à savoir les écrivains. Je pense que c'est une question effectivement qui doit concerner l'ensemble de la communauté éducative. Maintenant, la stratégie, il me semble que déjà dans les acquis de la fête de la lecture, nous avons un certain nombre de stratégies déjà à consolider. La première stratégie, c'est cette approche participative, et puisque la semaine de la lecture implique tous les acteurs du système éducatif, en passant participative, est déjà un acquis en termes de stratégie pour pouvoir agir sur la culture du texte auprès de nos élèves. Je pense qu'il faudra d'abord consolider cet acquis. Et le deuxième acquis de cette semaine nationale de la lecture, c'est aussi l'approche partenariale, ce fait d'impliquer dans cette semaine nationale les auteurs,
mais aussi les journalistes de la presse écrite, est aussi la volonté tout simplement de faire de la lecture quelque chose que nous avons en partage, non seulement avec les acteurs du système éducatif, mais de façon générale avec aussi les autres professionnels qui tournent autour du livre. Donc sa première stratégie, c'est la consolidation des acquis de cette semaine nationale de la lecture. Et puis, il faut peut-être autour de cette semaine, maintenant, s'inscrire dans des perspectives pour élargir un peu la portée de cette semaine nationale. Il faut peut-être élargir dans une perspective d'abord linguistique. Il faut un peu aussi impliquer d'autres langues, puisque aussi la lecture concerne des langues qui sont des disciplines comme l'anglais, l'arabe, mais aussi la langue nationale. Nous avons vu dans les activités proposées dans certains établissements des enfants qui lisent dans la langue nationale en somali, en afar. Je pense que ça, c'est une perspective peut-être dans l'édition à venir, l'année prochaine, à intégrer pour que la fête de la lecture aussi soit une fête de toutes langues dans nos établissements. Et puis aussi également, peut-être une perspective un peu disciplinaire. Nous avons effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, la tournée des écrivains, des auteurs, mais de la fiction. Et on peut aussi intégrer les auteurs essayistes pour un peu aussi toucher d'autres disciplines comme l'histoire-géographie, les sciences, mais également des disciplines où les écrits, les essais de certains auteurs, d'historiens, économistes peuvent toucher l'intérêt de nos élèves. Donc, et je pense que là, il faut un peu qu'on s'inscrive dans des perspectives d'élargissement des acquis de cette semaine nationale de la lecture. Très bien. Merci, Abdallah. Madame Fatouma Mohamed Mir, tout à l'heure, vous avez égrené une panoplie d'activités organisées au sein de votre établissement pour promouvoir la lecture. Alors, est-ce qu'il y a dans votre école des espaces dédiés à la lecture plaisir et comment sont-ils aménagés pour encourager les enfants à lire? Merci. Merci, Mohamed. Je crois que j'ai un peu touché quand je suis intervenue la première fois sur les espaces dédiés à la lecture. Effectivement, le ministère a appuyé une politique de proximité du livre à l'élève et ont été créés dans les classes ce qu'on appelle des coins lecture. C'est-à-dire il y a un espace réservé dans chaque classe où il y a une mini-bibliothèque avec le mobilier nécessaire qui a été installé par le ministère de l'Éducation nationale, mobilier et livres inclus. Et ces coins de lecture sont utilisés de manière différente par les enseignants. C'est-à-dire, déjà, il y a une première chose, c'est l'accessibilité au livre au plus près de l'élève. Deuxièmement, ce coin de lecture est un coin qui sert à la fois à une lecture libre pour l'élève, mais aussi à un moment donné où l'enseignant est en mesure d'aller lui-même récupérer le livre et d'essayer de le lire pour ses élèves. Alors ça, c'est, je crois que toutes les écoles de Djibouti ont pu bénéficier de ces coins de lecture. C'était un projet qui date d'il y a 3 ou 4 ans. Et aujourd'hui, les résultats sont visibles. Hein. Mais ce qui est encore meilleur, c'est cette proximité d'avoir sa bibliothèque dans sa classe et d'échanger les livres entre les classes. Alors, c'est une politique qui a été mise en place par le ministère et c'est une politique qui a vraiment donné ses résultats et a atteint son objectif parce qu'aujourd'hui, le livre n'est pas une chose inconnue pour les élèves, surtout pour les élèves de la base. Et il nous arrive de voir des élèves échanger, discuter, critiquer, donner leur avis sur des œuvres qui ont été lues par eux-mêmes. Voilà. Ce sont d'excellentes initiatives prises au sein de votre établissement. Alors, Madame Roua, depuis tout à l'heure, nous parlons de la culture de la lecture qu'il faut installer chez nos élèves. Pour ce faire, est-ce que dans votre établissement, vous avez des projets pour renforcer cette culture de la lecture? Oui, bien sûr. Chaque établissement a des projets pour renforcer cette lecture. On aimerait bien avoir plus des livres d'auteurs djiboutiens parce que connaître la culture djiboutienne, déjà, c'est une chose très essentielle. Avoir plus d'espace aussi pour les élèves, pour la lecture. Et renouveler aussi notre bibliothèque
par des livres, parce que notre bibliothèque, même si elle est riche, elle compte des livres un peu anciens ou qui sont plus selon le goût des élèves. Donc, on a vraiment besoin de renouveler les livres qui sont à l'intérieur de la bibliothèque. Avoir, comme j'ai dit, des livres beaucoup plus contemporains et djiboutiens. Avoir d'espace pour ces genres d'élèves. Comme je l'ai dit avant, nous, on avait créé d'espace la bibliothèque à l'air libre, mais ce n'est toujours pas suffisant. Donc, on cherche une solution encore. Comment attirer plus d'élèves pour la lecture? Parce que maintenant, on a des esprits comparatifs, ça veut dire beaucoup plus d'élèves qui veulent être dans la bibliothèque, qui demandent même à venir hors du cours pour être dans la bibliothèque, à lire, à avoir un prof qui leur soutient dans ces lectures-là. Donc, il faut vraiment chercher une mise en place pour vraiment aider ces élèves qui aiment lire, parce que ce sont les arbres du futur, là. Mmh. Et on prévoit tout ça dans le futur de notre établissement, Inch'Allah. Très bien. Merci, Roa. Donc, on va marquer une pause pour libérer Roa et accueillir Madame Saada. Bien, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Saada Ilmi Aden, qui vient de nous rejoindre, qui est professeure de français et présidente de l'association djiboutienne des professeurs de français. Madame Saada, bienvenue dans l'émission. Alors, la fête de la lecture que le ministère de l'Éducation nationale vient de clôturer. Cette fête suscite un certain engouement chez les élèves. Comment envisagez-vous de maintenir cet intérêt pour la lecture tout au long de l'année en tant que professeur de français? Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour et merci de m'avoir invité dans cette émission, Maudici et d'ailleurs. La fête de la lecture, comme son nom l'indique, il s'agit de fêter cet événement pratiquement chaque année dans tous les établissements scolaires. Donc seulement, la lecture ne se limite pas uniquement à la fête de la lecture, mais c'est une activité qui est pratiquée pratiquement en tous les jours, matins et soirs, à la maison, à l'école ou dans la rue, hein, en lisant une pancarte ou autre chose. Alors après, comment perpétuer la lecture en classe à travers différentes activités. Par exemple, vous avez le marathon de lecture qui a été fait cette année. C'est une première, hein, pour la fête de la lecture, le marathon de la lecture. Donc, par exemple, reprendre les activités inédites de cette édition pour pouvoir les faire pendant la classe. Et donc, par exemple, le marathon de la lecture qui était une nouveauté cette année et qui s'était tenu au bureau du CREFA, avec la lecture d'une œuvre complète, peut par exemple se poursuivre dans les salles de classe à travers la lecture de poèmes, d'un recueil de poèmes entier avec les élèves pendant la classe de français, ou bien d'un roman, ou bien de tout autre texte, de tout autre écrit. Quelle autre activité est-ce qu'on peut proposer pendant la classe de français pour toujours, bien sûr, maintenir cette envie et cette flamme de la lecture au sein de la classe? Vous avez aussi des questions, des questions pour un champion, par exemple, qui peut se faire au sein même de la classe avec une liste de mots qu'on peut, par exemple, demander la définition aux élèves ou vice-versa, on leur donne la définition et ils essaient de deviner le mot. Donc, ce ne sont pas les activités au sein de la classe pour maintenir cette flamme de la lecture qui manque, mais quand même, voilà, je m'arrête à citer juste ces deux points-là. Merci beaucoup. Merci, Madame Saada. Nous nous acheminons vers la fin de l'émission. J'aimerais poser une dernière question à Monsieur l'inspecteur. Monsieur Abdallah, de nos jours, la lecture est menacée par les écrans. Alors comment
promouvoir une culture de la lecture dans l'éducation des jeunes générations, dans un monde ou dans un environnement de plus en plus dominé par le support numérique. Merci Mohamed. Effectivement, aujourd'hui, quand on s'intéresse aux raisons qui font que nos jeunes n'ont plus d'intérêt pour la lecture, donc on cite généralement le fait qu'il y a des activités concurrentielles par rapport à la lecture, donc notamment l'écran, le temps que nos jeunes consacrent à l'écran. Il faut peut-être, avant de penser à un certain nombre de solutions par rapport à ces défis, peut-être dissiper un amalgame qui peut exister. Il ne s'agit pas d'opposer à la lecture classique, la lecture numérique. L'écran également peut avoir dans la promotion de la lecture son rôle. Et nous avons vu cette année, d'ailleurs dans l'édition de cette année, l'écrivaine proposer l'initiation de nos jeunes élèves à la lecture, à la recherche libre de livres libres de droit. Je pense qu'il y a un certain nombre d'activités numériques qui peuvent encore compléter la lecture classique et concourir dans le sens de la promotion de la lecture. Maintenant, pour juste relever ces défis, il faut, je pense, continuer à faire ce que nous avons l'habitude de faire et ce que nous savons faire, c'est-à-dire, dans le cadre de cette Semaine nationale de la lecture, agir un peu sur l'intérêt de nos jeunes par des rencontres avec des auteurs qui se sont réalisés dans ce domaine, puisqu'on a vu tout au long de la semaine, les enfants, les jeunes, qu'ils soient collégiens, lycéens, exprimer un talent inédit. Donc on a vu des comédiens, on a vu des dramaturges, on a vu des journalistes. Donc c'était vraiment une occasion rare. Et je pense qu'il faut dans un premier temps aller pour promouvoir cette lecture classique dans le sens de ces activités qui favorise un petit peu cette culture du livre. Et puis à côté, pour un peu maîtriser quelque part la dimension un peu néfaste du numérique, peut-être miser sur l'éducation aux médias, qui peut commencer à la maison. On sait aujourd'hui que dans la promotion de la lecture, la famille a un rôle extrêmement important. Et je pense qu'il faudra un peu aller aussi dans ce cadre-là vers ce partenariat avec la famille pour que les enfants, dès la maison, acquièrent un certain nombre de dispositions pour vraiment avoir l'intérêt à la lecture classique. Très bien. Monsieur Moussa Souleymane, les écrivains nous accompagnent chaque année dans cette aventure qui consiste à installer durablement la culture de la lecture chez nos élèves. Alors, sur quel aspect devons-nous appuyer pour stimuler davantage la curiosité des élèves et ainsi réduire le fossé entre les élèves et le monde de la littérature ? Oui, merci Mohamed. Peut-être pour répondre à votre question, je vais m'appuyer à une citation de Nelson Mandela, donc figure historique et héroïque de l'Afrique, donc qui parlait de la lecture en ces termes: un peuple qui gagne, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Donc à travers cette citation, on comprend que la lecture d'abord c'est une activité collective. Donc qui dit collective, c'est la responsabilité de la collectivité et bien sûr de l'État. Donc si on revient maintenant à la lecture dans les établissements, c'est vrai que le nombre d'heures consacrées dans l'étude de la langue, et là je parle sous l'autorité de l'inspecteur, est de 5 à 6 heures par semaine, je crois. Et tout le reste du temps, donc l'élève est en dehors de l'école. Donc est-ce qu'il faut penser qu'il ne doit pas lire tout ce temps-là? Donc ça, c'est vraiment impensable. Donc je crois qu'il faut trouver d'autres moyens pour relever les nouveaux, pour assister l'élève à ce qu'il lise plus de livres. Et bien sûr, là, on revient aux activités des bibliothèques. Bien sûr, la bibliothèque de l'établissement qui devrait normalement inciter les élèves à lire, et comme disait la chef d'établissement Fatou Amir, je crois qu'il est important de les inciter à ce niveau-là. Mais je crois qu'aussi les parents, ils ont un rôle à jouer,
puisque ils doivent donner les enfants les moyens de rehausser la lecture, puisque rehausser la lecture, en fait, c'est rehausser l'écriture. Et il faut, je crois qu'il faut lutter contre le préjugé selon lequel la lecture, c'est uniquement une affaire de littéraire, ce qui est complètement faux, parce que la lecture, ça fait partie de la vie. Lorsqu'il lit bien, écrit bien normalement. Et dans tous les métiers que les étudiants ou les élèves seront amenés à exercer dans l'avenir, ils auront besoin de l'écriture. Ils auront besoin de rédiger des comptes rendus, des rapports, de rédiger des réponses à des demandes d'explication et autres. Donc ça fait partie vraiment de la vie. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Je crois aussi que les associations ont un rôle à jouer, les associations éducatives. Et là, je prends peut-être l'exemple de l'association Allo Aska à Lycée Bié. C'est une association qu'on avait fondée en 2007. On était vraiment quelques-uns. Et là, je tiens bien sûr à saluer mon ami Omar Ahmed Ouaïs, qui est vice-président du Parlement, et avec qui on avait fondé cette association, et qui a formé pas mal d'élèves dans ce secteur. Et aujourd'hui, Allo Aska compte pas moins de 5000 livres. C'est une association qui grandit encore. Et je crois qu'il faut multiplier ces initiatives-là. Et en tant que président aussi de l'Union nationale des écrivains africains, nous sommes prêts à assister aussi les MENFOP pour aller dans ce sens-là et pour aller dans les établissements. Et je salue bien sûr l'initiative de Choukri, comme disait Mme Fatouma, Choukri Osman, qui fait partie de l'association justement de l'UNED. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc je crois qu'il faut mobiliser toutes les ressources pour vraiment gagner ce combat. C'est vraiment un combat contre l'analphabétisme. Et il faut aller dans ce sens-là. Merci. Très bien. Moussa, je pense qu'en tant qu'écrivain, mais également en tant que président de l'Union nationale des écrivains djiboutiens, vous avez un rôle prépondérant à jouer dans la promotion de la lecture dans toutes les régions et au sein de la population. Tout à fait. Alors, et une dernière question à Mme Fatouma Mohamed Mir. Tout à l'heure, Fatouma, vous avez cité une panoplie d'activités que vous réalisez au sein de votre établissement. Faire des activités, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour voir l'impact de ces activités-là. Alors, comment aidez-vous les enseignants à mesurer l'impact des activités de la promotion de la lecture sur la réussite scolaire des élèves? Quand on parle de mesurer, forcément, il faudra mettre les critères qu'il faut pour mesurer. Mais on part du principe où plus les élèves lisent, plus grands sont leurs chances de réussite. Et le résultat de la lecture se mesure par le résultat des élèves en général. Et comme il disait Dr Souleymane, qui lit saura écrire. Alors, c'est par d'abord le biais des évaluations qu'on arrive à statuer et à savoir le niveau des élèves. Et il est constaté et il est nettement visible que les élèves lisent, les résultats de leur écrit sont visibles. Alors, il est vraiment impossible de séparer la lecture de l'écriture parce que lire leur permet d'élargir leur vocabulaire, d'améliorer leurs compétences en écriture et surtout d'aiguiser leur esprit critique. Alors, une fois arrivé à ce seuil-là, un élève peut être facilement évalué et on pourra l'étudier. Alors, l'apport de la lecture est visible à travers les écrits des élèves. Et c'est par le biais des évaluations qu'on arrive à statuer le niveau d'un élève. Très bien. Chers invités, à travers cette émission, nous nous adressons à l'endroit de la communauté éducative en particulier, mais également à l'endroit de la population en général. Alors maintenant, avez-vous un message à faire passer à l'endroit de nos téléspectateurs, notamment les parents, les élèves, les enseignants? Abdallah Hafri. Oui, effectivement, nous avons presque tout dit et je pense que nous sommes là aujourd'hui pour
mettre l'accent sur l'importance de la lecture. Et toute la semaine que nous venons de passer a consisté à montrer à nos élèves que la lecture est quelque chose d'extrêmement important, fondamental, non seulement dans la réussite scolaire, mais aussi dans la réussite sociale et professionnelle. Il s'agit simplement de dire à nos élèves que la lecture permet d'améliorer la concentration, qui est un facteur essentiel dans toute entreprise essentielle. Ça, je pense que tout au long de la semaine, les auteurs qu'ils ont rencontrés ont répété, mais aussi tout au long de l'année, leurs professeurs de français l'ont également répété. Et je pense que c'est là-dessus que leur avenir, tant scolaire que social, professionnel, se joue. Nous, comme je le disais tout à l'heure également, il faut que la famille aussi se saisisse de cette question qui est cruciale, parce que la lecture commence à la maison. Selon que il y a une bibliothèque familiale ou pas, l'enfant n'a pas la même aptitude, le même intérêt pour la lecture. Et il faut absolument que les parents montrent à voir, parce que la lecture aussi, c'est quelque chose qui s'acquiert par mimétisme. L'enfant, il aime faire ce qu'il voit faire les parents. Je pense qu'à l'endroit des parents, nous avons ce message à délivrer. Et puis, il peut arriver que dans la société, tous les parents ne soient pas lecteurs, qu'il n'y ait pas une bibliothèque parentale, familiale, dans tous les foyers. Et là, je pense tout à l'heure, comme le disait le docteur Moussa, il faut que des associations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation mettent en place des mesures compensatoires pour aller vers ces élèves qui n'ont pas cette chance d'avoir à la maison des activités autour du livre. Madame Fatouma. Moi, je dirais, à une période où la technologie commence à nous envahir et que la facilité avec l'intelligence artificielle permet l'accès à tout, il est vraiment primordial de mobiliser et de surtout sensibiliser les parents, parce que la lecture, ce n'est pas qu'à l'école. Elle doit commencer depuis le jeune âge et depuis la maison. De sensibiliser les parents et de pouvoir disponibiliser les livres, c'est-à-dire que les élèves puissent avoir accès aux livres non seulement à l'école, mais aussi pouvoir l'emporter chez eux. C'est-à-dire les établissements ou le ministère doit encourager ou permettre le prêt des livres à domicile et sensibiliser par la même occasion les parents de l'importance de la lecture à domicile. Très bien. Madame Saada. Alors, je pense que tout est dit, hein, l'essentiel a été dit. Donc, c'est, voilà, les parents doivent s'impliquer d'abord, en premier, parce que, comme l'inspecteur Abdallah, il faut le dire. D'accord. Madame Saada. Alors, je pense que tout est dit. Donc, l'essentiel a été dit. Donc, je pense que l'activité de la lecture implique pratiquement tout le monde, hein. Les parents en premier surtout, parce que c'est eux qui doivent montrer aux enfants les bonnes habitudes. Et donc, je pense que, comme l'inspecteur Abdallah venait de le dire, donc ce sont les parents qui doivent inculquer les bonnes habitudes en premier à leurs enfants. Donc la lecture, avant d'être l'affaire des enfants, elle est, je pense, l'affaire des parents. Parce que, comme l'inspecteur venait de le dire, encore une fois, c'est par mimétisme qu'elle s'acquiert. Et donc les parents doivent lire, que ce soit un journal ou autre. Et les élèves, en voyant ce qu'ils font, ce que font leurs parents, ils vont répéter. Donc, je pense que après, une fois que ce premier travail a été fait, il sera simple de continuer par la suite. Alors, donc, au-delà de la famille, comment est-ce qu'on pourra continuer cette activité-là? Je pense surtout aux associations qui œuvrent dans ce sens. Donc, entre autres, l'association Allo Aska qui venait d'être citée dans le district d'Ali Sabié. Alors, nous avons aussi l'association ADO qui est aussi dans la ville de Bok, qui œuvre aussi dans la promotion du livre et de la lecture. Alors, nous avons aussi, bien sûr, dans les régions, dans les villages reculés, hein, par exemple à Dai, Aranda, voilà, merci beaucoup. Donc, je pense aussi à Aranda avec RAR,
qui elle aussi œuvre pour la promotion de la lecture. Et ici même à Djibouti, ce ne sont pas les associations et les activités qui manquent dans ce sens. Et surtout, je pense à l'association djiboutienne des professeurs de français, dont je suis la présidente, donc qui essaie de faire de son mieux pour faire aimer les élèves la lecture en organisant des activités diverses autour de la lecture, qui vont de la lecture d'une œuvre intégrale ensemble, comme le marathon de lecture, vers d'autres activités variées, ludiques. Qui se font en dehors des heures des classes avec nos élèves. Voilà. Très bien. Merci Saada. Monsieur Moussa Souleymane. Donc moi je crois que finalement les structures vraiment ne manquent pas. Et je crois que dans chaque établissement normalement il y a une bibliothèque. Sauf uniquement il faut faire de telle sorte que cette bibliothèque soit vraiment effective et fonctionnelle et que les élèves puissent emprunter. Il y a également d'autres structures parallèles, comme par exemple les CDC, les centres de documentation, les centres de développement communautaire. Et nous avons aussi des structures plus grandes maintenant, puisqu'il y a la BAN du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et je crois que, au risque de me répéter, il faut que les enseignants, les parents et les autorités publiques se mobilisent vraiment pour atteindre des résultats probants. Merci beaucoup. C'est sur ce mot du docteur Moussa Souleymane Opsiyé que nous réformons cette édition spéciale consacrée au bilan de la fête de la lecture. Il ne me reste plus qu'à remercier mes invités, Monsieur Abdallah Hanfaré, inspecteur des Français, Madame Fatouma Mohamed Meir, directrice de l'école de Balbalasset, Madame Saada Ilmi, professeure de français et présidente de l'association djiboutienne des professeurs de français, et enfin, Docteur Moussa Souleymane Opsiyé, enseignant-chercheur à l'Université de Djibouti, mais également écrivain. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. D'ici la prochaine émission, bonne lecture.